مشاهدينا الكرام اينما كنتم اسعد الله اوقاتكم، اهلا بكم في عدد جديد من السلسله الوثائقيه الرياضيه لا كازا دي سبور. في هذا العدد سنفتح ملفا حساسا لطالما اثار الكثير من الجدل. هم لاعبون يجدون انفسهم امام خيارين من اجل تمثيل منتخبهم في المستقبل، خيار القلب وخيار المشروع الرياضي. اخترت الجزائر هو موضوع وثائق السهره، تابعونا. والله اول حاجه هم جزائريين، سادير مو جو ديري با دي بي ناسيونو مي دي جوار كي ايفولو ا ليترونجي، لان كل جزائري متواجد في اوروبا وفي اسيا وفي امريكا هو جزائري. بالطبع كاين اشكاليه الجنسيه، وبالتالي عده لاعبين واولياء عندهم فكره ان يتقمصوا الالوان الوطنيه، وهذا شيء مهم جدا للعائله. Concernant les binationaux, c'est vrai que c'est un sujet qui est très particulier. Pour moi, un binational, c'est quelqu'un qui a bien sûr deux nationalités, mais il est avant tout un homme à part entière qu'il faut aller convaincre pour œuvrer pour un des deux pays. Donc c'est quelque chose de difficile, pas pour moi en tant que qu'entraîneur ou directeur technique national pour convaincre les jeunes, parce qu'on a nos arguments, on a nos objectifs, on a notre projet. Alors moi je vais être franc avec vous, je déteste cette appellation les binationaux. Moi pour moi je dis les Algériens nés en France. Après il a une double culture, il a deux passeports, ça c'est personnel. Mais dire binationaux, moi pour moi c'est comme si que on les mettait dans une case, on les enfermait dans une case et par la suite, c'est comme si on avait déjà au préalable un jugement sur ces joueurs. Or, pour moi, il est algérien et ça s'arrête là. Nas, quand on juge, c'est vrai, il y a beaucoup de complexité. C'est un tabou. Tabou parce que il y a les non-dits dans ce milieu. Il y a des choix dans la vie. Il y a des choix. زي توني الله يرحمه كان راح يسيني في الغيال وكيسحقته بلاده، بورتون زي توني كي تهضر معاه انا شفتو في لي ريبورتاج ما كانش يعني ناسيوناليست، بصح كي تلحق للصح هذا وين يبان ناسيوناليست. ناسيوناليست مش بالهضره برك، بالهضره انا كاع ناسيوناليست. كان شوا فور، سيتي ان شوا باغ ايديال، سي ان ايديال. سي إلى ليسي تومبي لا غلوار، لارجون، لو ريال مدريد، لا كوب دو موند 1958. Il allait jouer cette Coupe du Monde. Et Zitouni avait donné le là pour l'équipe du Front, pour rejoindre l'équipe du Front de Libération Nationale. Après, tu vois la génération de Dahleb, de 70s, Mustafa Dahleb, Karim Maroc, Fawzi Mansouri, Allah yarhamo, had el djil, les thani ma kanchi dat FIFA, li wadrou blaysom, nous tfakar wahed kima monsieur Bendrama. Monsieur Bendrama kan huwa li jab had el la'abin ou kul ta 80s huwa li jabhom. Prendre un exemple très fort, Mustapha Dahleb. Mustapha Dahleb, qui débutait sa carrière, il était à Sedan, après on connaît l'histoire. Et Mustapha Dahleb, c'est un engagement dès le départ. L'engagement, pas par le football, par le fait, à l'époque c'était 2 ans de service national. Il est venu passer son service national. Lui et bien d'autres sont venus. Donc il a fait 2 ans au Chebab Riyadi de Belouizdad, puis par la suite il est reparti en France. Et c'était la grande star du Paris, l'une des premières stars du Paris Saint-Germain. Koulhom kanou jazaïriyin avec beaucoup de l'équipe du 82, 86 et j'en passe. Yani koulhom jazaïriyin avec des doubles nationalités. Lanno ma khfakch enno had el djil yani djil ta el istiqlal hado l'âge koulhom l'âge mature ou l'âge adulte bda f 80s yani idha shift bdina f 80s njibou mzawjin el jinsiya. هذا كان خيارات فنية محضة من عند هاد اللاعبين. القضية هذه تاع المزدوجين الجنسية وشكون أبل فرنسية لا دوب ناسيوناليتي بدات في 2002، 2002 بدينا نفكروا فيها لأنه 2002 شاركنا في كأس أفريقيا الأمم في المالي وكان الفريق جد ضعيف. طبعا مستوى البطولة آنذاك كان نازل وكانوا اللاعبين في غير المستوى اللائق دوليا.
دونك بدينا نفكروا في الجزائريين المزدوجين الجنسيه ولا اللي عندهم ثلاث جنسيات بعض المرات باش يشاركونا في الفريق الوطني الاول. طبعا لقينا الحاجز الكبير هو القانون تاع الفيفا انذاك ما يسمحش للاعبين يغيروا، لازم كانوا ذاك الوقت لازم يختاروا في عمرهم 16 سنه او 17 سنه ماكسيموم. طبعا احنا قدمنا اقتراح للفيفا لتغيير الستاتيو دو جوار ذاك الوقت في 2003 في مؤتمر الفيفا في الدوحه، وطبعا نجحنا في العمليه بعد عمل كبير مع الافارقه والاسيويين الاصدقاء وبعض الكونفدرات الاخرى مثل اللاتينيه والشمال الامريكيه لا كونكاكاف، وطبعا نجحنا. ولكن انا ذاك كان رد فعل سلبي من طرف الاتحاد الاوروبي ويقودوا رئيس الاتحاد الفرنسي انا ذاك سيموني، لدرجه انه ليله المؤتمر بلاتير اللي كان رئيس الفيفا جاء طلب مني انه نغير النص اللي قدمناه على اساس نشيل الاكابر، يعني ممكن ناخذ حتى 21 سنه، بينما احنا ذاك الوقت كنا طلبنا نغير كما راه الحال اليوم. كنت كي تفوت 21 سنه بكري كنت كي تلعب ايكيب ناسيونال ميم تاع جون ما تبدلش، ومن بعد قلبوها 21 سنه سي فيني. لا ما خيرتش 21 سنه البلاد اللي عندك ناسيوناليتي فيها اللي تشد. وانا ذاك نكته قلت له الرئيس الفرنسي ما نجح نديو لكم زيزو. فطبعا لما استثنينا الاكابر قبلوا الجماعه الاوروبيين والامور مشات حسب ما كما حبيناها، وتمكننا باش نبدا نغير الملفات. واول ملف اللي غيرناه عنتر يحيى الله يذكره بالخير، عنتر جبناه لعب في اول مباراه لعبها مع الفريق الاولمبي في البليده وسجل هدف رغم ما كان مدافع رئيسي، كان سجل هدف في تلك المباراة. سالو سي مراد مغني سي انترناسيونال الجيريان pour Casa del Sport. Anecdote avec Karl, c'était lors d'un stage en équipe de France espoir si je me souviens bien. À la fin d'une séance, on était à l'étirement et pas longtemps avant il y avait la génération 87 qui avait gagné le championnat d'Europe, donc il y avait parmi eux il y avait bon, Jérémy Ménez, il y avait Nasri, Benzema, Ben Arfa, toute cette génération là et je lui disais t'imagines si chacun chaque joueur choisissait son pays d'origine, ça pourrait faire une belle équipe d'Algérie. Donc je lui disais, moi si je peux, je choisirais l'équipe d'Algérie parce que moi je me retrouvais pas trop dans l'équipe de France tout simplement, et de me dire de jouer un match avec l'équipe d'Algérie, ça voudrait dire aussi l'hymne national juste avant, et ça pour moi c'était un rêve depuis tout petit. Effectivement en 2003 j'ai eu des contacts avec la fédération algérienne, donc ils avaient joint mon frère à l'époque et on les avait invités pour un match, c'était Bologne-Juve, je me souviens, on leur avait laissé des places pour pouvoir assister au match et on devait enfin discuter avec eux dans la foulée. Et finalement, ils ont pas pu venir, ou ils sont pas venus, je sais pas, mais voilà, ça s'est pas fait. Et voilà, c'était dommage. Moi, depuis, comme je le disais plus tôt, depuis longtemps, j'ai eu des contacts avec l'équipe d'Algérie et finalement, ça s'est jamais concrétisé. بدات التفكير وين وصلنا حتى التفكير تاع الباهاماس. وين قبل اللاعب هذايا مزدوج الجنسيه ما يقدرش يلعب الا لفريق واحد، وبعدها جا اظن الحنكه تاع الاستاذ روراوة اللي هي نقول لكم مشروع جزائري اللي سمحت لهاد اللاعبين تكون عندهم فرصه ثانيه باش يختاروا، اما يختاروا اما تكون فرصه ثانيه باش يلعبوا كره القدم في المستوى العالي. حبينا نغير باش نفتح السقف تاع 21 سنه، لانه انا ذاك كنا قلنا لهم واحد في عمره 16 سنه 17 سنه مازال ما عندوش
التفكير الجيد باش يغير المستقبل ديالو. فطلعنا ل 21 سنة، وفي المؤتمر الباماس غيرنا، نحينا السقف تاع السنوات، ممكن اللاعب يغير في أي وقت. Monsieur Raouawa a été aussi une personne très importante pour le football africain, puisqu'il était membre à la FIFA, membre à la CAF, membre à la FIFA. Il a beaucoup, beaucoup œuvré par rapport aux binationaux qui, à l'époque, quand il jouait avec les 17 ou avec les 20 ans, des compétitions officielles, et ben on les perdait. قانون باهاماس كان عنده يعني ان افي بوزيتيف، يعني تاثير ايجابي على كل الدول، مش غير على الجزائر، ولكن الحمد لله اللاعبين اللي جاوا عطاو دفعه كبيره للفوتبول الجزائري. احنا يفو كابيتاليزي، لازم الاستثمار في هاد القوانين. Elle a tout changé. Elle a tout changé. Je prends un exemple. Voilà le meilleur exemple. On l'a. Sabri Lamouchi, qui est convoqué pour un match amical avec l'équipe de France. Sabri Lamouchi, qui est titulaire et qui avait sa passe en 1998 en équipe de France. Bon, et après, il y a les choix de l'entraîneur. Il n'est plus appelé, sa carrière est terminée. Il ne peut plus aller en équipe Tunisie, et il est bloqué en équipe de France, il n'est pas appelé. كان تهديد من الاوروبيين وحاجز وضعوه الاوروبيين، لدرجه انه بلاتر على بالك لما تكون يكون الكونغري تاع الفيفا يكون المؤتمرات تبع الكونفدراليات قبله بيومين ولا بنهار، كان رئيس الفيفا يزور كل المؤتمرات. فلما جاء الكاف قالنا عندكم الحق ويلا الامام، لما راح الاوروبيين قال لهم لا احنا انا معاكم، هذا القانون هذا ما لازمش يجوز. دونك احنا استفدنا من اللاعبين لي بي ناسيونال، خاصه اللي كانوا عندهم مستوى عالي وجبناهم عن طريق قانون باهاماس، هما اللي عطاو دفعه اخرى ونفس جديد للمنتخب الجزائري. اللوا دو باهاماس ا دوني اون ريديستريبيوشن دي كارت، اي سا بيرمي او جوور بار لا سويت سيل ني با كونفوكي دون ليكيب او يلا شو جوي دون لي كاتيجوري دو جون دو روجويندر سون بيي لو بيي دون ايل اي اوريجينير بار اكزومبل بور لي الجيريان، اي سا بيرمي ايغالمون اوز اوتر ناسيون. سي فري كو سا لوا دو باهاماس ا اوفير غراندمون لا بورت ا تو سو كي نيتي بو ابلي دون دوتر دون اون اوتر سيليكسيون dans le pays où ils sont nés. Voilà, c'est un petit peu ça. Les Africains, شوف قانون باهاماس صنعنا حنا صنعوا السيرة وراوا ربي يذكر بالخير، بصح استعملوه الدول الاخرى خير منا حنا. Pourquoi؟ Parce que حنا ما y a un problème تاع اتصال مع لي بي ناسيونو وتاع سير تاع لي بي ناسيونو هذون. لا، على كل حال هذا عمل جماعي، على كل حال لأنه كنا نشتغلوا كفوج، وطبعا دائما كاين واحد يقود الفوج، ولكن العمل جماعي، وكاين ناس كانوا يشاركوا حتى برا من الاتحادات في انتقاء اللاعبين واكتشافهم ومشكورين. Alors oui, en 2009 j'ai été le premier joueur à bénéficier de la loi pour les joueurs. La loi qui permettait aux joueurs binationaux de pouvoir changer d'équipe nationale. Et ça a été rapide en fait. J'ai eu quelques journalistes qui m'ont contacté, qui m'ont demandé si je pouvais être intéressé par cette loi et si je pouvais rejoindre l'équipe nationale d'Algérie. Donc ce à quoi j'ai répondu oui direct. Et donc après il y a eu des articles qui sont sortis et donc après il y a Monsieur Raouawa avec le coach Sardane qui m'ont contacté et ils m'ont demandé si ces infos étaient vraies ou pas. Et donc voilà, après moi je leur ai dit que oui, que c'était pas des faux articles et que effectivement j'avais envie de rejoindre l'équipe nationale. Et après ça s'est fait rapidement, ils m'ont dit est-ce que j'avais le passeport, je l'avais déjà, voilà, ça a été rapide. Et donc j'ai pu jouer
mon premier match contre l'Uruguay. Alors, mes sentiments lors de mon premier match, ça a été tout simplement de la fierté. Quand je rentre sur le terrain, je sais qu'il va y avoir l'équipe nationale. J'ai des personnes qui me viennent en tête. En premier, mon père, mon frère, mes oncles. Mes oncles en Algérie. C'est beaucoup de souvenirs. Tous les étés que je passais avec mon frère en Algérie. Je savais que ça allait rendre fier tout ce monde-là. Ça a été difficile à contenir, mais pendant 4 semaines, j'avais les larmes aux yeux qui montaient. Mais en tout cas, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est ce premier match. Super talent. Malheureusement, Mourad, je pense qu'à un moment donné, Mourad, on le présentait comme le nouveau Zidane. Rappelez-vous, quand il était à l'époque à Sochaux, si mes souvenirs sont bons, on le présentait comme le futur Zidane. Mais avec lui, on a grillé des étapes. On a grillé des étapes, il s'est retrouvé propulsé au devant de la scène. Et puis, c'est un joueur, donc dans sa formation, je pense qu'il n'avait pas assez pris physiquement. Il s'est retrouvé fragilisé. Malheureusement, vous connaissez la suite, il s'est blessé en équipe d'Algérie. Il n'est jamais revenu à son meilleur niveau. Mais ça a été un super talent. Ça a été un joueur pleinement engagé en équipe d'Algérie. Il a tout donné et on était à l'époque, parce qu'il faut revenir dans le contexte de l'époque, on était heureux de trouver un tel joueur. Mourad Moumtaz, كلاعب وممتاز كشخص و كنت في حالة لا يرثى لها لما بلغته باللي ما يقدرش يروح لكأس العالم رغم الجهود اللي درناها من الناحية الطبية باش نحضروه لكن للأسف ما تمكناش وما حضرش كاس العالم انا دبقات فيها فهمت كما نقولوا ولكن هو ممتاز مراد وانا اتصال معاه على كل حال هو راه الان قال لي راه ولا وكيل لاعبين ويشتغل الحمد لله sur monsieur Raoua, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que du bien. Franchement, ça a été en tout cas pour moi une super rencontre et d'ailleurs de temps en temps je l'ai par message, on s'envoie des petits messages de temps en temps. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'équipe nationale. Et si elle en est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Il a su faire évoluer le football algérien et ça c'est pas rien et c'est vraiment en plus de ça, au-delà de ça, c'est une super personne sur qui on peut compter. Et voilà, je lui serai à jamais reconnaissant. J'adore Mourad Marni. Je m'en souviens très bien, je l'avais déjà reçu. Mais vraiment un super joueur. Malheureusement, il lui a manqué, parce qu'il aurait pu connaître une super carrière, il lui a manqué un petit quelque chose pour passer à l'étape supérieure, pour être ce qu'on peut appeler un très grand joueur. On a profité de grands joueurs, comme Mourad Marni, والقائمة طويلة حسن يبدأ بودبوز يسحق بالفوديل بالناصر أوناس هذو لاعبين كنا نجيبهم صغار أنا ذاك لي الآن اللي كان اليوم يلعبوا حتى اليوم مثل أوناس ومثل بالناصر il y a eu des choix forts là je n'ai les Farouli Bouguerra Antriahe tous ceux qu'on a connus Yebda tous ceux qu'on a en équipe nationale qui ont joué en équipe de France espoir. Je ne vais pas rentrer dans le débat parce que j'aime pas ce débat-là. Non, parce que quand passant au palier supérieur, l'équipe de... Non, ils ont choisi l'équipe d'Algérie et c'est ce qu'il faut retenir. Et que les garçons qui venaient devaient venir convaincus à 100%, pas 80-90%, puisqu'un joueur qui vient à 80-90%, si ça se passe mal, les 10 ou 20%, ce sont des choses qui sont dramatiques pour le joueur. Donc on leur disait 100%. Donc il y a un choix de deux façons. Soit du cœur, parce que c'est leur origine marocaine, par leurs grands-parents, pour leur arrière-grands-parents ou éventuellement par leurs parents. Donc ça, c'est le cœur qui parle. Et ensuite, c'est la raison de dire, c'est un calcul de dire si je ne suis pas pris dans l'équipe nationale de Belgique, Hollande, Espagne, Italie ou France, et bien à ce moment-là, je me retournerai vers le Maroc parce que ça me donnera des titres internationaux. On leur disait ça, c'est pas un bon choix. Il faut que le cœur et la raison soient en adéquation. Voilà que les joueurs de la Rihanna ont mis le FIFA, comme Soufiane Fouroulli, Ibrahim, Hassan Ibda, Samir Belloufa, et la Akhiré,
كانوا لاعبين استفدنا منهم كثيرا. وغيرت عيسى موندي ما كانش ما لعبش، كاين اللي غيرنا لهم الجوازات، جبنا لهم الجوازات لانه ما كانش عندهم جواز جزائري. قدمنا ملفات للسلطات المعنيه باش خدمنا لهم جوازات باش تمكنوا يلعبوا في الفريق الوطني. والباقي اللي لعبوا في الفئه الصغرى تبع البطولات الاجنبيه، البلدان الاجنبيه بلوتو، غيرنا لهم الجنسيه في الفيفا. Et donc, on a eu la chance d'avoir des garçons comme, comme Hakimi, comme Mazraoui, comme Amrabat, comme Boufal, comme Ziyech par l'intermédiaire d'Hervé Renard et toute son équipe, les jeunes dont j'ai parlé avant. Il y a eu Harit aussi, qu'on est allé convaincre, qu'il y en a qui sont venus spontanément, des garçons comme Hakimi, Mazraoui et Amrabat, d'autres qui ont demandé d'attendre parce qu'ils étaient au début de leur carrière, donc ils avaient toujours cette petite crainte par rapport au pays dans lequel ils sont nés et par rapport à un éventuel contrat des clubs, de ne pas choisir le pays où ils sont nés. Donc je les comprenais tout à fait, donc ils ont attendu. Puis au dernier moment, quand l'équipe nationale a les a appelés, ils sont venus. Ça, je ne dirais pas forcément qu'il y a des tensions pour ce genre de choix, mais je dirais que c'est un choix du cœur et que c'est un choix important dans une carrière, parce qu'une carrière elle est courte, ça va vite. Et au jour d'aujourd'hui, on peut très bien le voir que sur notre continent, dans les équipes africaines, on a des équipes très compétitives. Ben Nasser. Ben Nasser, on a appris qu'il était à Arles Avignon. كان لاعب نشفى عليه اول استدعى عليه الفريق الاول تاع كان يلعبوا في الليغ دو كان سجل انا هو يلعب في الماتش تواصلت نشفى عليه تواصل مع احد الاصدقاء قال لي باللي راه جزائري مغربي قعدت نتابع في التطورات تاعو مع الفريق وحتى وين احترف في ارسنال وعرضنا عليه باش يجي المنتخب الجزائري وكانت المغرب كانت حابه تديه بن نصر pour avoir entendu son entraîneur Arsène Wenger à l'époque, parce qu'il est passé par Arsenal. Ben Nasser est un pur talent, c'est un joueur talentueux, c'est un bosseur, il a beaucoup travaillé, c'est un joueur qui arrivait avant les autres, qui terminait après les autres, alors qu'il était tout jeune, qui s'est consacré pleinement au football. Les Marocains le voulaient et l'Algérie le voulait. Il faut reconnaître à M. Rawarawa cette capacité à être, de convaincre le joueur de rejoindre l'équipe d'Algérie, en lui donnant une photographie de l'équipe d'Algérie et de ce qu'il pouvait attendre, de ce qu'attendait de lui l'équipe d'Algérie, et les retombées pour lui en équipe d'Algérie. Ben Nasser, lima mda oul aqd ihtirafi ma Arsenal, قلت انا هذا اكيد باش سنيالو داك الوقت كان Arsène Wenger هو المدرب باش سنيالو كونترا تاع احتراف لمده 3 أو 4 سنوات هذا اكيد عنده مستقبل فاتصلت بهم وسوينا شغل ممتاز مع عائلته طبعا هو يماه جزائريه وابوه مغربي ولكن كانت الامور جد جيده Un garçon comme Ben Nasser qu'on m'a fait signaler. Je suis allé le rencontrer la première fois à Londres avec son oncle. J'ai fait un déplacement d'une journée de Rabat. Je suis allé le voir pour le convaincre. Il était à l'écoute parce qu'il pouvait jouer pour la France, il pouvait jouer pour l'Algérie, pour le Maroc. Et puis ensuite, on a invité son papa avec sa sœur au Maroc. C'était très intéressant. On a vraiment bien débattu. Et puis, il y a eu, sur le plan sportif, l'envie, quand un joueur, justement, je le sollicitais pour pouvoir venir pour l'équipe nationale du Maroc, c'est l'équipe nationale du Maroc, pas forcément que les A. جبته هنا الجزائر بدون علم ولا حد مع باباه وإماه واستقبلناهم استقبال جيد وأنا ذاك بعد العودة جا شاهد مباراة هنا وشاف الجو في سيدي موسى وكذا فعجبه الحال لو كان دو بن ناصر إلي سيت ان كا ايتيدي بمعنى كان اختيار بالمغرب
والجزائر، ولكن الجزائر عرفت كيفاش تعطيه ان بروجي باللي فو سيري سيليكسيون اون ايكيب ا. بار كونت يعني لا فيدراسيون ماروكان كانوا دون ان تروك دو دو ديسبوار و ايكيب ريزيرف، دونك il avait le choix. Donc il amène بحاجه، يامن لعاب، يامن مشروع. Si aujourd'hui Bennacer joue avec l'Algérie, on lui souhaite plein de succès personnel, à la fois dans son club et avec son équipe nationale. C'est un choix du cœur, un choix humain. À l'époque, c'était Raouawa, et d'ailleurs, je tiens à le saluer, car il est aussi dans le documentaire. Et c'était cette personne-là qui m'avait appelé, qui avait fait toutes les démarches nécessaires pour que je sois là, et qui m'avait aussi convaincu. Après, il y a pas mal de choses qui ont joué, notamment la ferveur, le peuple, comment on sait comment c'est en Algérie. Et voilà, c'est le pays de ma mère. Et ce choix-là a été important pour moi, très important, et c'est un choix que je ne regrette pas aujourd'hui. Il n'y a pas eu trop d'hésitation, c'était un choix du cœur et surtout un choix sportif. Et voilà, après mon entourage et toutes les personnes qui m'ont conseillé, m'ont aidé, ça n'a pas été un souci. عاودنا استدعيناه للمباراه اللي بعدها ولعبناه وقيلا 5 دقائق ولا 10 دقائق في مباراه على اساس يكون دائما مع الفريق الوطني، والحمد لله نجح وصار لاعب ممتاز وقدم خدمات كبيره للفريق الوطني، وهذا احنا يسرنا واحنا عندنا ان ساتيسفاكسيون مانيفيك لما نشوفه هكذا الحمد لله. ما بروميير رونتري ça fait déjà 6 ans. Je me rappelle, c'était contre le Lesotho. J'étais entré une dizaine de minutes, je crois un petit peu moins. On gagnait, je crois, 5 ou 6-0. Et franchement, c'était un sentiment. Voilà, dès que tu rentres, t'es le petit jeune, attendu, on va dire, entre guillemets, parce que les gens ne me connaissaient pas encore. Et il y a un sentiment de fierté de porter ce maillot. Et franchement, dès que tu goûtes une fois, tu veux qu'une chose, c'est de rejouer devant le public, porter ce maillot. Et c'est ce que j'ai fait pendant 6 ans. Et c'est comme si c'était hier. Bon, c'est un des leaders de cette équipe d'Algérie. Il a fallu le convaincre parce que les Marocains le voulaient. Et on a raté un joueur. C'est Benatia, qui lui également pouvait jouer avec l'équipe d'Algérie. Et qui a choisi l'équipe du Maroc. Il y a le cas Mahrez également, c'est le même cas. Parce que vous avez des joueurs dont les parents mixtes, c'est des Algéro-Marocains, donc ils ont le choix entre la mère, le père, ils doivent choisir. Lui, il a choisi l'équipe d'Algérie, il a choisi parce qu'on arrivait à le convaincre, mais je pense également que l'environnement a fait qu'il ait choisi l'équipe d'Algérie. Je pense que ça pèse l'environnement familial. Et puis à l'époque, il y avait de bons résultats, les résultats étaient là. En équipe d'Algérie, avec deux participations consécutives à une Coupe du Monde, il y avait une exposition de l'équipe d'Algérie. Ce qui aide énormément pour pouvoir attirer les joueurs évoluant à l'étranger. À la base, du taekwondo, où le football j'ai fait haïti par hasard. J'ai commencé dans un petit club au nord de la France où qui rahna nesknou fi Belgique chouya bchouya tlaht le niveau ou beddelt le club ou à l'âge de 16 ans le club de Bruges Jaoui il farge le match tari ou un an après j'ai signé mon premier contrat professionnel ou l'abt ma fi hada le waqt c'était mes premiers matchs avec le club de Bruges ou par la suite j'ai une blessure qui m'a mis hors des terrains pendant plusieurs mois et donc les discussions avaient repris quand j'ai signé aux Pays-Bas. قبل الشوط تاعي هضرت مع السليكسيونور البلج وفي هذا الوقت يبريباري لورو 2021 وهضرنا على الفوتور هضر لي اوسي بارابور ا سون بروجي اكسيتيرا وكيما قلتها قبل ونزيد نعاودها لو شوا ديال الجيري سي ان شوا دو كور اي جو ريغريت با سو شوا جو سوي تري هوري دتر ايسي سي ان ريف كي سي رياليز اي فوالا جو سوي تري هوري فاسيل نو مي بون لو شوا ايل ايتي لا
Et non, facile pour répondre à votre question, non, ça n'était pas facile, mais parce que voilà, j'ai joué depuis que je suis jeune en équipe nationale belge. Et bon, après, quand tu as d'un côté le rêve depuis que tu es tout petit et d'un côté tu as une des meilleures nations du monde qui te veut, voilà, sur ça, c'est mon cœur qui a parlé. Quoi. Tout bas, je le sais, c'est un choix fort qu'il fait. Il montre, même les autres. Il dit voilà, je veux l'équipe d'Algérie. C'est clair dans sa tête, profond respect, amour pour le drapeau, amour pour la nation, amour pour l'Algérie. Et donc il vient, il rejoint, et c'est tout à son honneur, comme pour les autres. Parce que vous m'avez posé le cas de Touba, moi je dis, comme pour les autres, qu'il ait choisi ou qu'il n'ait pas choisi, on leur doit du respect. Je pense que l'entourage du joueur a une forte influence sur son choix, et il ne pense pas forcément au choix du cœur en premier, mais à d'autres avantages qu'on pourrait avoir dans le monde du foot. L'entourage familial va peser sur la décision du joueur de choisir ou pas l'équipe. Soit il restera dans son club en attendant une hypothétique convocation avec le pays où il, dans le pays où il a grandi, où il est né, ou bien on lui dira, eh bien, écoute, le pays de tes origines, l'Algérie. Mais c'est sûr que l'entourage familial va peser. L'entourage d'un joueur, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui fait le joueur. C'est grâce à ça qu'un joueur va au plus haut niveau. Parce que si l'entourage est de bons conseils, si l'entourage aide à garder les pieds sur terre au joueur, c'est ce qui fait qu'il va se concentrer que sur le foot, que sur le terrain. Et c'est compliqué pour nous les joueurs de bien s'entourer dès le début et au long de notre carrière. Parce que ça vient de, on va dire, tous les côtés. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui essayent ou pas d'entrer dans notre vie. Et ça peut parfois nous forcer, nous mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est pour ça que mon entourage, personnellement, a tout le temps été de bon conseil, que ce soit ma famille ou les gens qui m'entourent, les gens qui travaillent pour moi. Ils ont tout le temps été de bons conseils. Et même si à la fin de la décision finale, c'est tout le temps moi, le joueur, qui la prend. Après mûre réflexion, on a tout le temps été sur la même longueur d'onde. Et c'est ce qui fait que j'en suis là. Je vais te donner un exemple de mes enfants. Ils sont des Jazaïriens et des Français. يعني تبدا البيئه العائليه وهي اللي تعطيك انه هذا المجال ولا هذا الحب للوطن بالك ما تعرفوش ما يخفاكش انه هادو لي جون جوار اللي كانوا يجوا غير لي فاكونس ولا بارفوا كاين دي جوار ما حط رجلو في الجزائر دونك هذا عنده نوع من التشويق يقول لك واش هاد البلاد اللي يهضروا عليه واش هاد البلاد اللي عاش فيه بابا اللي عاش فيه يما اللي لم يهضروا عليه غير حاجه مالغري هما في فرنسا محبين يروحوا للجزائر ايزون ان اتاشمون افكتيف لهاد البلاد دونك فوالا جو بونس تبدا من هاد النقطه هذه في البيئه العائليه كاين الناس بكري حشمهم يجي ما يمشي في التيران باسكو ما على بالوش علاه انا مهدي الحسن في واحد الوقت كانوا كاع يسبوا فيه مي الهضره تاعو كان صح قالوا انا لازم نروح لهاد البلاد اللي بغا نحارب عليها لازم نعرف البلاد اللي تحارب عليها تي با دير قميص انت تخرج برا تقول لهم فاز انا دوا تمد لي المايو تاع غيني اكواتوريال ما نعرفهاش ما نعرفهاش انت باغ اكزومبل كي دير القميص تخمم على باباك تخمم على يماك تخمم على حومتك ميم تخمم على التلفزيون تقول يعرضوني تخمم تشوف كيما ما تعرفش هاد الصوالح واش تموتيفي بواحد تجي Bonjour à tous, je me présente Ilya Chaibi. Voilà, je fais cette interview dans le cadre de la série sportive intitulée La Casa du Sport, réalisée par les frères Omar et Zouir Boudji. Concernant mon début de carrière voilà, et mon arrivée à l'AS Monaco, où je suis arrivé très jeune, très belle expérience. Voilà, j'ai pu m'entraîner et jouer au quotidien avec de très grands joueurs. Et c'est un club qui m'a permis aussi de découvrir le monde professionnel. Donc, très, très, très belle expérience. Voilà, concernant mon début de saison et mon arrivée au Servette FC, voilà, où je suis arrivé en juillet cet été. Pour l'instant, tout se passe très bien. Je suis dans un club où je me sens bien et qui m'a très bien accueilli depuis mon arrivée. Donc je suis très content et j'espère que ça va continuer. C'est vrai qu'il y a certaines difficultés entre le joueur et son entourage par rapport au choix de carrière, même si
Voilà, je pense que l'entourage doit être là pour accompagner au mieux le joueur et faire les meilleurs choix possibles. En tout cas, c'est ce qu'il en est de mon cas et de celui de mon petit frère Fares. Donc voilà, notre entourage nous aide au quotidien et essaye de faire le mieux pour qu'on prenne la meilleure décision possible. Mais voilà, dans certains cas, on sait très bien que c'est compliqué, que voilà, il y a certaines tensions, mais je pense que, comme je l'ai dit avant, le choix revient toujours au joueur car c'est l'acteur principal. Et voilà, je pense que la famille doit juste accompagner le joueur dans le choix qu'il fait et ne pas le contester. دونك بالك ما تقدرش تفهمني باسكو نتا وانا ما حسيناش الغربه. انا حكيت بزاف مع لاعبين مع دي بارو تاع لي جوار يحكي لك كيفاش عانى الفتره اللي عاش فيها سواء في اسبانيا سواء في فرنسا خاصه مع العشريه السوداء كان اللي راح ما جاش وعاشوا بزاف دونك لازم نشوفوا كيفاش نهضروا معاهم وانا شوف والله العظيم كاين دي بارون نحكي معاهم في المنتخب الفرنسي يلعبوا في ألف يبكيو دي بارون يبكيو دي بارون يبكيو باسكو بالك تهموهم بحوايج ماشي هما اونطوكو هما متعلقين بزاف الجزائر اللي يحب الجزائر راه يحبها من قلبه ما لازمش بالك نشوفهم ما يهضروش ولا ما يبانوش في الصحافة ونقولوا بالك ما يحبوش الجزائر ولا كيما يقولوا حركة ولا مانيش عارف والله كاين آباء يبكيو على الجزائر ويحبوا الجزائر وكاين ما نقولكش كاين شي اللي يحب الجزائر كاين اللي ما يحب ماشي ما يحبش الجزائر ولا ما عندوش شغل ما عندوش أهمية بزاف في الجزائر باغ اكزومبل يعني مثلا شنو الامور اللي ممكن يجي بو كاين امور ممكن طاحوا لنا في امور لاعب حب بصح لو بير ما حبش حكيت مع اللاعب وحكينا على المشروع قال لي شو باردون اكسيتيرا مالغري كي لي في ولا كان اونكور في لا ناسيوناليتي في المنتخب الفرنسي ومن بعد باباه قال لي نخمم سيتينيات ابري قال لي ما كانش ما هو مليح وفيه لاعبين يعني اون فرينا المشكل في رمشة عين وفيه لاعبين وين لازم المناجرة كان فيه لاعب صدير كان فيه لاعب استدعيته تواصلت مع المناجر تاعو حكى لي كل شيء اوكي وبعدين كي سمع المنتخب الفرنسي الاولمبي استدعوه قالوا بون هما دون لور تيت يقول لك هما الجزائريين اللي اذا فكروا فيه تيك الى دو تالون ودونك يفي لو بونور دو سون كلوب اي راهو في المنتخب الفرنسي تاع تحت 23 aujourd'hui mon petit frère Fares est beaucoup sollicité donc pour lui je suis très content et je suis très fier et aujourd'hui je pourrais pas vous dire exactement ce qu'il en est pour son choix d'équipe nationale ça va être à lui de le faire et voilà moi je peux pas parler en son nom mais voilà très content qu'on parle de lui que ce soit en Algérie ou dans le championnat français donc on verra bien et pour ce qui est de l'équipe nationale d'Algérie je pense que ils vont faire un très bon recrutement et reconstruire l'équipe pour les prochaines échéances. تستدعيه الاي دي سات تستدعيه الايفان من بعد ايفان تروي يروح لفرنسا يستدعى فرنسا لازم هذه النقطه تاني نسيو كيفاش باش ما نطيحوش فيها كنت انا نشتغل فيها شخصيا الملفات كنت نشتغل شخصيا نتكلم مع اللاعبين ونتكلم مع داويهم مع مواليهم سواء باباهم يماهم خاوتهم مثلا غلام كان قضيه تاع خوته كامل هما عائله كبيره وباباه عايش في عنبه ممتاز كان حاب وليده يلعب للفريق الوطني بينما هما ما كانوش حابين فمشيت لهم لسانت اتيان وجلست مع باباه ومن بعد نادينا الغلام خلع لما شافني جالس مع باباه في المكتب عند خوه عند نبيل فقلت له باباك حبيت يتكلم معك
قاعد يخسر فيها كانت لحظة خطيرة جدا وتاريخية لأنه بالنسبة لهم وبالنسبة لنا احنا لأنه قاعد يشوف في أبوه أبوه دمعة تحصل في عينه قال له واش حبيت بي قلت له بقى يقول لك العب للفريق الجزائري هد له راسه قال لي اوكي يا انت نادم جبت من المحفظه ديالي انا الملف مضى وطمينا الورق وديتهم على بالك من سنتين قريبة الفيفا ديناهم حطيناهم في الفيفا في نفس اليوم لان الوالي الاولياء نحن هبول انك روحناش كجزائريين عندنا طاعه الوالدين هذه معروفه يعني اوني با توجور انديبوندون اي بي مي يكون عن يكون تربيه الوالدين على حب الحب حب الوطن حب كاين لي زالجانيان كي ايفوليو على ترونجي دائما راهم يجوا في لي فاكونس يجوا يعني دائما كاين متعلق بالعائله تاعو متعلق لو كاتا رياض محرز وين اللي طول طون نيتي هنايا يعني مع لا فامي تاعو سي امبورطون اي فوالا لوسكي اي اون فولونتي de la famille, de l'entourage et du joueur, تنجم ترفض أي منتخب لأن دائما عندك رغبة أنك تتقمص أولا الألوان الوطنية وهذا شيء مهم للعب ولا كارير تاعو. مثلا أنا نمد لك جوست إكزامبل ما جيت بوغرة ماجد بوغرة هضر معايا مرة قال لي نهار جاني الفاكس بكري كان الفاكس تاع كونفوكاسيون تاع ليكيب ناسيونال قال لي خليت الفاكس في جيبي نهار وكل البول نشري الخبز نوريه للكوميرس نقول له ها معايا عيطوا لي قال لي وريته للناس الكل كوريشي كان يلعب في جيروندان بوردو يلعب في ليل بروميير ديفيزيون كوريشي قال لي نهار عيطوا لي ليكيب ناسيونال والديا بروميير فوا بكاو تي فوا لي زاكتور كاين بزاف عباك لو فوتبول دور خلاص بكري كان لونترينور لو جوار دونك كاين البيئه العائليه لو بير لو فرير لو غران فرير بارفوا لا مامون هادو يدخلوا ومن بعد داك على المدرب تاعو مباشر عندك المدير الفني وعندك دورك تدخلوا لي زاجون ماناجرا لانه بعض الوكاله دائما مثل الوكيل التونسي تبع سفيان فغولي تعبت معاه تقريبا عامين باش جبنا سفيان ولكن سفيان كان مستعد باش يلحق يلتحق بالفريق الوطني ولكن واش يقولوا الوكيل تاعو كان داير له مشاريع ديال شغل احترافيه وكان من حقه على كل حال ولكن لحقنا تقريبا للمحل باش جبناه مع الوكيل ديالو كاين كثير قصص مثلا فوزي غلام ما تكلمناش عليه فوزي كان المدرب ديالو هذا قالت لي راه يدرب اليوم بي اس جي كان ضد انه يروح للفريق الجزائري ولا يروح لاي مكان هو بالنسبه ليه يحتاجه في الفريق ديالو سانتيتيان وممكن كان موجهه باش يروح للفريق الاول الفرنسي مثل ما حصل في ليون مع بعض اللاعبين لانه هذاك الرئيس ليون اولاس دائما يحب يشتغل الفريق الفرنسي وهذا من حقه عادي جدا مثل ما سوى الفكير اللي ما جاش بينه وكنا اتفقنا باش يجي وهو كلمنا باش يجي اكد ولكن غيروا له الراي في بعد بضعة ساعات للاسف الفكير c'était un vendredi matin je m'en souviendrai toujours à 9h30 le président de la fédération de l'époque m'appelle pour me dire Fekir c'est réglé moi j'avais une émission à 11h À 10h, on avait donné l'information dans le flash de 10h. À 11h, au début, juste avant l'émission, le président m'appelle pour me dire « Fekir, ça tombe à l'eau ». Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 heures ? Fekir avait dit oui, il avait eu le président de la fédération au téléphone. C'était Mohamed Rabalo. Et bien c'est son manager, qui est très puissant, Jean-Pierre Bernès, pour ne pas le citer, et Jean-Michel Aulas. C'est l'environnement immédiat de club qui a pesé lourdement sur la décision du joueur pour l'amener à revoir sa position. Les Africains, les jeunes, les Africains, les Dohom, ils ont dit que l'autoroute. Il y a l'autoroute pour binationale, l'équipe de France. Bien évidemment, on va. Pour le club, le joueur est une valeur marchande. Deuxièmement, quand je dis c'est un Africain, entre guillemets, pourquoi je dis Africain ? Parce qu'il va participer à une Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations, à l'exception du Caire 2019, elle se déroule toujours au mois de février. Et généralement, les clubs, aujourd'hui, la problématique, pour certains qui ont des joueurs africains, alors en plus, ils sont titulaires,
il va s'absenter pendant 15 jours, vous avez la compétition européenne qui peut débuter, vous avez, s'il évolue en Angleterre, vous avez le Boxing Day, donc vous allez vous priver d'un joueur important qui ne pourra pas jouer. Donc c'est des choix forts. Or, s'il joue dans une équipe européenne, ces problèmes ne se posent pas. Ajouter à l'exposition, après le joueur, on va essayer d'influer sur sa décision, c'est l'exposition dont il va bénéficier. S'il est en Europe, dans une équipe européenne, et là, il est, alors surtout s'il joue en équipe de France, ou en équipe de France, ou équipe d'Angleterre ou ailleurs, il va bénéficier, dans une grande nation du football, il va avoir une meilleure exposition, une plus grande exposition médiatique. Sa valeur marchande va prendre également. Donc, c'est un choix sportif, c'est pas un choix du cœur. Prenez Fekir, je suis sûr qu'il est algérien, il aime l'Algérie autant que vous et que moi. Et c'est difficile pour eux parce qu'ils sont nés parfois de la deuxième génération, soit en Belgique, soit aux Pays-Bas, soit en Italie, soit en Espagne, soit en France. Et ils ont grandi dans un pays, ils ont eu une formation à la fois scolaire et sportive dans ce pays-là. Nader Nafham, la difficulté des joueurs binationaux dans leur choix, sans pour autant faire passer l'Algérie comme plan B. رغبه اللاعب انا دائما مؤمن بان عندما اللاعب يريد ان يلعب في فريق يعني في ويغير الجنسيه تاعو تبقى هو كيفاش يشوف المشروع تاعو الرياضي لان ما يخفالكش اي لاعب عنده اهداف مسطره يعني مع لونتوراج تاعو مع لو ماناجر تاعو ولكن عندما تكون يعني انفيزيبيليتي ليه في الفريق الوطني une qualification à une coupe du monde, une coupe d'Afrique, يعني شوف بلي هناك مشروع ممكن ان ينخرط فيه وهذا شيء بديهي لاي لاعب يرغب داتر اون ايكيب ناسيونال سا ديبوند دروك الاشكاليه اللي مطروحه على المستوى لانفيرونمون تاع اللاعب ممكن يكون عنده تاثير سلبي على اللاعب. Bah moi je pense que voilà mon avis il est que le choix il doit être fait par le joueur avec le cœur avant tout parce que voilà je sais que c'est pas facile de choisir entre deux pays quand on est binationaux mais bon après je pense que le choix du cœur prime souvent sur le choix sportif. Alors si j'avais un conseil à donner aux joueurs binationaux qui hésitent je dirais tout simplement de suivre son cœur, parce que premièrement, si on doit parler de l'aspect purement individuel et donc contractuel, avec un choix de carrière, etc., maintenant c'est plus trop, c'est plus comme avant où vraiment il y avait des clubs étaient hésitants à recruter des joueurs évoluant en Afrique, parce qu'on sait que avec la CAN pendant un mois et demi, on n'est pas là. Et puis aussi, on se disait potentiellement, on pourrait jamais gagner une Coupe du Monde. Et là, le Maroc, lors de cette dernière Coupe du Monde, nous a prouvé le contraire, qu'ils étaient pas loin d'aller jusqu'en finale. Et puis tout simplement le football africain progresse grâce aussi aux joueurs binationaux qui permettent d'amener un plus aux équipes nationales africaines. Et pas que, c'est juste que aussi la formation en Afrique est de mieux en mieux. Donc tout ça fait qu'il n'y a plus d'écart entre les. Du moins, il y a de moins en moins d'écart entre les nations africaines et. Et autres. Donc, j'en reviens à dire que c'est purement un choix de cœur qui devrait guider ces joueurs-là. Voilà, écouter leur cœur et en plus de ça, rendre fier toute une famille, ça n'a pas de prix et ça, même si peu importe le choix qu'on fait, notre famille sera toujours fière de nous, mais il y a un petit plus. À choisir le pays de ses parents. Toujours quelques anecdotes. Et ben, quand on prend Ziyech, par exemple, quand il a choisi le Maroc, ben, il s'est fait un petit peu secouer par
par les supporters, des techniciens de Hollande. Mais c'est un garçon à qui je tire mon chapeau parce qu'il a une force mentale exceptionnelle pour je dirais surmonter cet épisode là, cette phase là. Pour Hakimi, c'était une belle histoire aussi parce que on l'a eu dès l'âge de 16 ans avec un accord de son club, le Real de Madrid. Il a joué avec nous les premiers matchs amicaux, notamment au tournoi de l'UNAF qu'on a gagné pour la première fois. Il a été fidèle avec nous jusqu'à un jour l'Espagne découvre que ce garçon-là existe au Real de Madrid et l'a convoqué. Donc c'est vrai que ça a été un dilemme pour lui. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est le Maroc ou l'Espagne? Et puis il y a eu une démarche de ma part d'aller le rencontrer à Madrid avec son papa et ses agents pour lui expliquer encore le projet, lui dire de toutes les façons, si tu choisis l'Espagne, tu seras toujours un Marocain. On te suivra, on t'encouragera. Si demain tu choisis le Maroc, on serait très heureux et fiers. Et il m'a fait confiance, on s'est serré la main et il a été fidèle jusqu'au bout. Et c'est un amoureux de l'équipe nationale du Maroc. Là aussi, je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour remercier les recruteurs qui nous ont permis d'avoir ces jeunes-là, qui ont œuvré en Europe, notamment en France, il y avait Ahmed Chouari, en Belgique, il y avait Nourdine Moukrim, en Hollande, il y avait Marc Van Hoff, et puis sur le territoire espagnol, italien, voire allemand, on avait Rabiata Kassa, qui ont fait un très très bon travail. Rabiata Kassa était l'un de ceux qui nous avait signalé Hakimi. Bonjour à tous, je m'appelle Enzo Lamrani, je suis défenseur central à l'AS Nancy Lorraine. Je suis très fier d'honorer ma première sélection en équipe d'Algérie. Bonjour, je m'appelle Faris Meini, je joue à l'AS Nancy Lorraine au milieu de terrain. Je suis très heureux de faire ma première sélection avec l'équipe d'Algérie. Bonjour, je m'appelle Yannis Saïdani, je suis gardien de but au Paris Saint-Germain. Et depuis petit, je suis l'équipe nationale d'Algérie, j'ai suivi tous les matchs, je suis à fond derrière eux. Salam alaikum à tous, je m'appelle Yassine Rissa, attaquant de pointe à l'Olympique de Marseille. Et voilà, c'est une très très grande fierté de participer à la présélection avec l'équipe algérienne. On a commencé à les joueurs qui sont en train de jouer dans l'Europe. Il y a beaucoup de joueurs, donc c'est n'importe qui peut mettre le منتخب الجزائري. Le منتخب الجزائري a besoin des joueurs qui ont des qualités. Donc il y a une bonne stratégie باش نقدروا نسرقوا لي جو هادو هو شويه صعيبه وشنو نقدروا نوصلوا لها الامكانيات البشريه اللي عندنا والكفاءات الجزائريه اللي موجوده في اوروبا قادرين نستغلوهم هادو الناس ويساعدونا باش نقدروا نجيبوا هادو لي بي ناسيونال المنتخب الاول وحتى المنتخبات السنيه. احنا قمنا بهذا عمليه تكوين لا تاسك فوت او بيان لو نيمينغ سي فافادا سي بو فير كومون فير انتريسي لي جوور ايفولوون على لترونجي باش يلتحقوا بالمنتخبات الوطنيه الشبانيه. الفكره سيتي كومون فير انتريسي لي جون يعني الشبان الجزائريين الموجودين في لا سيما في فرنسا. فالفكره ان كيفية خلق هاد لا سيلول اللي بدات افيك 3 بيرسون سيتادير يافي ايدير كريم يافي ابراهيم الياس يافي قداهونت فؤاد دونك اون سي ريوني اي اون ا مي اون استراتيجي استراتيجيت افيك لا فيديراسيون اي لا دي تي ان كومون فير كريي سيت هاد لا سيلول وكالي سي ميسيون. Et à partir de là, on a commencé à avoir un jour de l'aïbin, à avoir un niveau de l'aïbin, et à avoir un peu de l'aïbin, les U17, les U20, et à avoir un peu de l'aïbin, et à avoir un peu de l'aïbin. Pour découvrir le niveau, il faut être متابعه. Il faut être متابعه ميدانيه. حتى الارقام من داك تغلط. تجيب جوار. تخسر عليه بي دافيو تخسر عليه واسمو تجيبو هنا للطربوس لسيدي موسى تلقاه جوار ما عندوش دي كاليتي. علاه؟ باسكو ما تبعناش الجوار ما عندناش المعلومات الكافيه على المستوى هذا الجوار. دونك لازم نديرو استراتيجي باش يكون المتابعه ميدانيه
وثاني استراتيجي باش ما نتبعوش لي جوار كامل، ما تقدرش عندنا 300 جوار نتبعوهم ميدانيين كامل لاعبين، دونك لازم ثاني استراتيجيه باش نعرفوا برسك نديو 50% على مستوى اللاعب قبل ما نتبعوه ميدانيا. باش تجيب اللاعبين للفئات الصغرى هذه غلط، لانه عاده المباريات ولا البطولات تبع هذه الفئات الصغرى هذه ما تتنظمش في تواريخ الفيفا، واذا يخليوك الانديه تديهم في فتره ما حسب العلاقات اللي ممكن انت تكون عندك معهم، بينما لما تكون بطوله في تاريخ فيفا واذا يحتاجوهم هم ما يعطيهم لكش. واذا من الاحسن احنا نرجع كما يقولوا بالفرنساوي لي فوندامونتو للتكوين، ونكون اللاعبين عندنا مثل ما سوينا مع الفريق الاولمبي اللي راح لريو دي جانيرو بعد غياب طويل. في هذه الناس تنسى انه الالعاب الاولمبيه مهمه جدا، واحنا هذاك الفريق الاولمبي كان 4 أو 5 لاعبين لعبوا في الفريق الاول من بعد، فهمت؟ واذا التكوين هو الاساس مهنا، ولازم نجيب الافضل اللي ما عندناش هنا. هذا هو. C'est vrai que vous le laissez grandir ou aller jouer avec l'équipe des U17 ou U19, il va se bonifier parce qu'il est dans une équipe où, disons, les moyens mis en place sur le plan technique, pédagogique, dans son club vont lui permettre de franchir les étapes et vous l'aurez mieux préparé pour le recevoir dans votre équipe. Dans le même temps, il peut connaître une autre trajectoire. En revanche, chez nous, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les faits, ils sont là et les faits sont têtus, c'est que nos championnats de jeunes sont faibles. Donc, la faiblesse en termes de formation, de volume, d'horaire d'entraînement, d'entraîneurs formateurs, des moyens des clubs, font que les joueurs ont beaucoup de manques, ce qui n'est pas de leur faute. À partir de là, quand vous avez des équipes, je prends l'équipe d'Algérie, des U17, voilà, je vais prendre un exemple, on va le vivre au mois d'avril. Vous êtes obligé, pour pouvoir faire des résultats, de vous rabattre sur la formation des clubs étrangers, qui vous donnent des joueurs avec une meilleure culture tactique, qui vous donnent des joueurs physiquement encore mieux préparés, donc qui vous donnent des joueurs, disons, supérieurs en termes de niveau à ce que génère notre championnat dans les catégories de jeunes. Voilà un petit peu les deux stratégies. Donc vous avez le choix de le laisser se bonifier, ou vous dites, bon, j'en ai besoin maintenant, je vais l'utiliser. Et après, il n'est pas dit, parce que vous avez été bon en U17 ou en U19, que vous allez avoir un passage, parce que c'est des étapes. Vous devez gagner, vous devez travailler. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont perdus entre-temps. Donc c'est pour ça. Après, c'est les trajectoires des joueurs. Riyad Boudebbouz, qu'on a parlé de Riyad Boudebbouz, mais quand on a 18 ans, qu'on a dit, il y a des carrières grandes. هاو ما داش كارير كبيره. رياض ما حرز منين كان بودبوز يلعب في لا ليغان كان يلعب في الدرجه الرابعه، والدرجه الرابعه بالسيف ما حبوش يدوه، قالوا له ضعيف. وشوف شكون اللي يلعب درك، شوف راه ما حرز لا كارير اللي دارها وشوف الكارير. الفوتبول ما تحسيش بن ناصر منين جابناه ما على بالناش به. بن ناصر ما تعرفش يقول لك ارسنال فيها، ارسنال ما فاقوش به. ارسنال هم باعوه ب 700,000 اورو. لو كان ارسنال على بالهم يولي بن ناصر تاع اليوم ما يبيعوش هذا الصومه يشادوه. تو سي با الفوتبول لازم تعيط الواحد كي يقول واحد يقول لك نجي جيبو. Que les choses se passent dans la discrétion et vous l'avez vu, la fédération négocie discrètement. Si vous avez remarqué, l'entraîneur national ne donne jamais de nom jusqu'à ce que les choses se réalisent. Le meilleur exemple, Ait Nouri de Wolverhampton, l'entraîneur en a parlé une fois que c'était décidé, vous allez sur Transfermarkt, vous allez trouver le drapeau algérien, changement de nationalité sportive. Vous allez sur le jeune homme Chaibi, je pense, de Toulouse, c'est lui qui a émis le vœu de choisir l'équipe d'Algérie. Quand le joueur est convaincu, et il le fait, parce qu'il est convaincu, il veut jouer avec l'équipe d'Algérie. Il le dit clairement, c'est rendu public. Mais si vous êtes en phase de négociation, d'approche, de discussion, parce que ce n'est pas en un jour que vous allez régler, ça demande du temps. Ça demande du temps, des discussions, des rencontres, ça prend énormément. Donc à partir de là,
Et d'ailleurs, la fédération le fait, elle le fait bien. Toutes les fédérations qui se sont succédées, regardez, si vous pouvez le vérifier, ne disent absolument rien. Les journalistes vont à la pêche d'infos, des fois c'est juste, des fois c'est faux, mais la source fédération, vous ne l'aurez jamais. Et l'entraîneur national ne le dira jamais, que ce soit Djemel Belmadi ou ceux qui sont passés avant. Donc, il vaut mieux garder, pour répondre à votre question et pour être clair, que les choses se passent discrètement, que la négociation se fasse loin des yeux de tout le monde, pour le jour où il annonce qu'on n'est pas un nouveau café Kir. Au moins, ça fait 4 ans que je suis là, donc j'ai expliqué, sans rentrer précisément, parce que c'était pas judicieux de le faire. Mais il y a des discussions qui se sont faites il y a 4 ans, avec certains joueurs, et des réflexions ont mûri. Les choses ont évolué. Et pour l'intérêt de l'équipe nationale, j'ai jamais voulu, moi, mettre en avant les discussions et officialiser ces discussions-là, parce que peut-être il y aurait eu des pressions ici et là sur ces joueurs-là qui n'étaient peut-être pas prêts, qui n'avaient peut-être pas la bonne maturité pour ça, qui étaient jeunes. Et que voilà, qu'on peut pas condamner comme ça, qu'on peut pas condamner de toute l'histoire de l'équipe nationale, il y a eu ça. Je le répète, je remonte dans l'histoire et il mérite qu'à chaque fois on les mentionne, à part l'équipe qui allait devenir l'équipe du FLN et qu'on fait des sacrifices monumentaux. Allah yahmoum pour tous ces gens-là, ou Allah yashfihom, ils sont encore ils sont encore en vie, Inch'Allah. Ceux-là ont fait c'est des sacrifices et puis une détermination à rejoindre cette équipe-là et qu'elle allait devenir l'équipe nationale d'Algérie d'aujourd'hui. Ceux-là l'ont fait sans demande, sans truc, c'est plutôt du sacrifice. À part cela, tout le reste des différentes équipes nationales, des différents temps, il y a des réflexions à voir, il y a des choses qui se font avec le temps, il y a des prises de décision qui arrivent un peu plus sur le tard, et que voilà, on n'est pas là pour pointer du doigt qui que ce soit, on est là pour faire en sorte que cette équipe nationale, elle soit la meilleure le possible jour après jour. Donc, il y a des choses sur lesquelles j'ai endossé cette pression-là, pas de problème, à me dire comme si nous on voyait pas qui était bon, qui est susceptible de renforcer cette équipe nationale, comme si nous on le savait pas. Mais on parle pas, voilà, on n'est pas là à bavarder tous les jours. Parce que parfois, on en a parlé à la flan ou à la flan, parfois ça casse. Pourquoi les gens s'hadrent, ils sont le président Saratli, donc on a fait une expérience où un joueur qui est en train de jouer, joueur jazaïri 100%, bien taille française, mais jazaïri 100%. الرئيس ما حبش قال لك واش راح تعمل في الجزائر، قال لك لا بلو فاليو تاعك راهي هنا في فرنسا، قال لهم انا جزائري يعني بلو فاليو ولا ماشي بلو فاليو، انا نلعب في المنتخب الجزائري، دونك هضرت معاه قلت له نو تو مي با اون بورتافو افيك لونفيرونمون تاعك باسكو تو ديجا اون كارير اجيري، هذا اهم شيء، وهذا لو طالون تاعك نسحقوه، اذا ما ديتوش معايا انايا في المنتخب المحلي، في المنتخب الاولمبي، راح تكون عندك فرصة يكون في المنتخبات الأخرى إن شاء الله يعني في هذه باش تنقص عليه الضغط لو كان تزيد له تقول له خير تا 5 مينوت بور شوازير الجزائر ولا فرنسا راك تدمرت اللاعب نصيحة أنه يلعبوا للجزائر لأنه من الأحسن يلعبوا للجزائر لأنه صعب أنه يداوموا بجنسية ثانية مع الفرق تاع البلد المضيف وانا شفناها مثل فكير مثل كريم بنزيما كشفت حتى كاس العالم الاخير ما لعبش للاسف وشحال من سنة هو ما لعبش في الفريق مثل اخرين اي لا جينيراسيون 2019 ا في ريفي تو لو موند دونك تو لي جون الجيريان ايفوليو ان ليترونجي عندهم هذيك الرغبة باش يقولوا بوركوا با دون 2 ans 3 ans Je suis en 17 U19 et pourquoi pas, Inch'Allah, dans 3-4 ans, je suis en équipe A. C'est un des projets de tous les Jazaïris qui jouent en Europe ou ailleurs, ils sont partout, alhamdoulilah. La conseille est que l'homme a pris la décision de lui et il ne faut pas écouter les gens qui disent, il faut un peu de lui. Parce que quand tu entres sur le terrain, il faut de la main. Aussi pour le chef les rochers. Est-ce que le choix du cœur est le plus important? Je pense que oui. C'est ce qui devrait guider les joueurs dans leur décision.
Le fait de pouvoir jouer pour l'équipe nationale de ses parents, enfin d'origine de ses parents, c'est pour moi la chose dont on sera le plus fier à la fin de notre carrière. Et ça a été le cas pour ma part. Et en plus, ça n'a pas de prix, quoi. Jouer pour, voilà, pour son pays d'origine, avec tout ce que ça engendre, la fierté de ses parents, de sa famille, ça n'a pas de prix. Et moi, ça a été pour moi une évidence. Le mot de la fin, les jeunes, de Wishing Golum, les jeunes, donc Bekri, donc Makench Nasiha, Bekri continue de Nasiha. Donc 2023, Makench Nasiha, chef ou Karim Ben Zema Wushralo, chef ou Samir Nasri Wushralo, les Rouh Lihom, ça veut dire le projet de ta carrière, même pas projet de ta équipe de France. On dit qu'il y a juste ma tête masqueroche dans les bildes. C'est vrai, dans les bildes. Le Jazeera a mis un million et un million. Le Jazeera, c'est pas n'importe quoi. Le Jazeera est une ville grande. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas choisi d'être algérien. Juste, j'ai eu de la chance. Il y a des gens qui sont algériens. Il y a des gens qui sont algériens. Le monde est chiant. Il est passionné. C'est un sujet aussi complexe. C'est difficile. Il y a beaucoup de hassasiyats. Il y a beaucoup de hassasiyats. إما من الجزائر ولا في فرنسا أهم شيء نحترمو نوترينتو لي كويتو اللاعب هدايا لازم نحترموه نحترمو لو شوا تاعو الاختيار تاعو اليوم اختار الجزائر اون سورا اون فالا كومباني ونفرحوا به غدوة اختار فرنسا عنده ظروف ليش اختار فرنسا ولا بلد آخر لأن احنا فرنسا ولا البلد آخر هذا هو ما يفو ريسبكتي إيه أمون أفي سون جوجمون ما لازمش تحكم على إنسان لأنه خير يعني مشروع على مشروع تاني. مزدوج جنسية راه جاي جيل بالك يكون جيل أحسن من الجيل اللي فات يعني ننتظر برك من الفيدرال الجزائرية تحرك وتدرس النقطة هذه مليح وتحاول كيفاش تستفيد من هادو اللاعبين. Parce que je ne sais pas si le joueur est élevé ou il est élevé. Et puis finalement, on a le droit de jouer avec le Jazeera. Il faut qu'il y ait un ehtimam. Et l'ehtimam, il faut qu'il y ait une façon basique. Il faut qu'il y ait une chose très grande. Voilà, je vous remercie aussi de m'avoir porté de l'intérêt et m'avoir sollicité pour passer dans ce documentaire. Donc voilà, moi je vous souhaite aussi une bonne année et beaucoup de réussite. نشكركم جزيلا جزيل الشكر لانه وشكرا على كل ما راكم تقدموه من ناحيه التوثيق كره القدم هذا لو ترافاي دوكيومونتير اللي مانيفيك كتر خيركم وواصلوا هكذا لانه التاريخ مو لازم الشباب يعرفوه ولازم تخدموا العرفان هذا ايضا لانه هاد اللاعبين اللي جاوا كتر خيرهم انا اخيرا كلمني مثلا سامير باللوفا راه ولا مدرب ودار حتى ليسونس يوفا الانسان دائما يشكرهم واذا ممكن يرد لهم المصعد يرد لهم المصعد. Finir, et je pense que c'est, on va dire, le meilleur pour la fin, c'est le public, l'amour qui nous porte, l'amour qui nous donne, sur et en dehors du terrain, bien évidemment, parce que on a passé des moments inoubliables, et même dans les moments difficiles, ils sont toujours là à nous soutenir, quoi qu'il arrive, et c'est ça qui fait notre force. Dès qu'on met un pied sur le terrain, on n'entend que. On s'entend pas sur le terrain et ça donne cette envie de se dépasser, de gagner. On sait pourquoi on gagne, on sait pourquoi on veut marquer, on sait pourquoi on veut écrire l'histoire.
et on le sait, ils sont là autour de nous. Et c'est comme ça dans tout le pays, dans tout le monde entier, tous les Algériens du monde entier. Et c'est en partie pour ça qu'on joue au football. C'est en partie pour ça qu'on joue au football, pour leur donner ce plaisir-là. Et on le sait, en Algérie, c'est parfois pas compliqué, c'est parfois difficile. Et il y a le foot qui donne la joie, dans les cœurs. C'était Ismaël Benacer dans le cadre de la série des documentaires sportifs intitulée La Casa du Sport. À bientôt. هي قصص للاعبين مثلوا المنتخب الوطني أحسن تمثيل في مختلف المحافل الدولية على أمل أن يكون ذلك عبرة للاعبين الشباب من مزدوجي الجنسية من أجل التفكير جيدا قبل الحسم في المنتخب الذي سيمثلونه مستقبلا. ولمشاهدة كل الحلقات السابقة يمكنكم تصفح مواقع البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة. كان معكم طاقم لكازا ديال سبور، دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه، وإلى العدد القادم.